Dans tout pays sous la terre, vis-à-vis des croyances mounio, yo toujours mettez un côté à part. Yo toujours dit côté ça sacré ou bien li mystique. Kon sa wap jwenn nan monde là, gen an pile côté qui sacré ou bien qui mystique. Soit moun pa ka aller là ou bien si ou pa aller là, faut faire en pile prudence. Dans vidéo nous pour jodi a, nous voter pour 10 côtés qui pi mystique en Haïti. Avant de nous continuer, si vous pouvez vous abonner avec Chanel, abonnez pour nous, activez la cloche de notification pour recevoir l'autre vidéo. Aidez nous partager la vidéo comme ça pour plus de monde capable de voir la vidéo. Là où vous faites ça, vous aidez nous grandir, nous intéresser pour nous porter une plus belle vidéo pour nous. Restez là, pas déplacer, nous tournons aller. Sous chaîne Planet Information, vous recevoir en pile vidéo concernant voyage, technologie, actualité, politique, économie, nationale ou internationale. Pas oublier, abonnez-vous avec Chanel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous portons pour aujourd'hui 10 côtés ou bien 10 zones qui pi mystique en Haïti. Haïti c'est pays ouvert, mais nous manquons contre pays. Soit religion, mettez une barrière pour nous, bien si nous. Pas parler de vous. Ou bien yo pa enseye nou qu'il ti nou an pour nous taka plus ou moins konnen pays. Nous tout konnen vis-à-vis de religion vaudou qui en pile haïtien pratiqué, nous gen en pile zone nous mettez à pas. Et ceci dans chaque département, dans chaque commune jusqu'à chaque quartier, gen yon zone ou abjwen ki sacré qui habitant yo mettez à pas. Mais gen quelques zones que moun plus pratiqué ou bien plus élogié, yo considéré yo comme lié qui pi mystique dans pays. On regarde yo ensemble. Premier côté qui pi mystique dans pays d'Haïti, li relé la cou souvenance dans Gonaïve département la Tibonie. En fait, dans Gonaïve, dans département la Tibonie, souvenance c'est un lieu yo considéré qui vraiment mystique. Il fait partie patrimoine culturel et historique pays d'Haïti qui pi ancien. Chaque année, un pile haïtien sorti tout côté dans un pile pays pour venir célébrer dans la cour ça. Parfois célébration ça qu'on dirait plusieurs semaines. Dans la cour souvenance, c'est une côté un pile haïtien quoi là-dedans, il un pile nèg politique qui qu'on allait là, un pile chef l'état qu'on allait là suivant croyance yo. Croyance yon peuple aller plus loin que ça moun ta ka penser. Deuxième côté qui pi mystique dans pays d'Haïti c'est Sodo. Sodo qui signifie cascade en français, c'est un village dans commune Mirbalais département centre en Haïti. Région ça gen yon importance culturelle important dans pays. D'après les gens haïtiennes, yo pensé que dans l'année 1800 yo Vierge Marie Montcarmel te paraît yon fois sous yon pied palmiste dans zone ça. Chaque année, Sodo recevoir en pile monde dans yon fête yo fêté dans mois juillet. Principale dévotion yo fait dans fête ça c'est baigner en bas de l'eau, yon de l'eau yo considéré qui vraiment sacré. Yo croit que de l'eau ça ka guéri en pile maladie, les yo fin baigner yo kon même quitter rade quitter sous yo yo tap baigner dans de l'eau. Troisième côté qui vraiment sacré ou bien qui vraiment mystique dans le pays d'Haïti, c'est bassin Saint-Jacques dans Plaine du Nord. Bassin Saint-Jacques dans commune Plaine du Nord, c'est une côté légende haïtienne nan fait quoi qui pi mystique en Haïti. Et c'est une côté tout qui attire en pile touriste chaque année. C'est un lieu de pèlerinage, yo gen yon fête yo fête là dans mois juillet. Suivant croyance moun yo, si yon moun ben nan bassin la boussa, gen yon paquet miracle k'ap fèt sous la ville. Et la vin gen en pile chance, en pile protection, et s'il malade ap gen en pile guérison sous la ville. Quatrième côté qui vraiment mystique en Haïti, c'est cimetière Port-au-Prince là. Cimetière Port-au-Prince là, légende haïtienne nan considéré comme yon gros lieu qui vraiment sacré. Yo reme fait pèlerinage là-dedans. D'après croyance moun yo, yo rekwe les yo fait yon demande devant yon gros croix noir li genye en dan li, demande lan ap réaliser. Les gens yo raconte croix noir ki gen là-dedans lan ka délivrer yo en bas souffrance avant dire. Ça veut dire dans cimetière ça, c'est pas seulement moun yo enterré là-dedans, yo kon al fait en pile demande. Cinquième côté qui vraiment mystique en Haïti, en fait, c'est de la cou, c'est la coubadio avec la cou soukri dans gonaïve. La coubadio qui se situe dans la zone Nambadio dans la commune Gonaïve, département la Tibonie, c'est une des trois grands temples sacrés mystiques qui gagnent dans le département la Tibonie. C'est la coubadio, la cou soukri et la cou souvenance. D'après quelques chercheurs, tant que Kenrick Demesva, la cou sa distingue de l'autre avec un rite qui relève Nago, qui sorti Yoruba, qui c'est une tribu dans l'Afrique de l'Ouest. Espace religieux sacré ça a été fondé vers les années 1792 avec quelques esclaves africains qui ont couru pour travail forcé qui étaient gagné dans le nord et qui ont caché dans la Tibonie. Tout de suite après cérémonie Bois Caïman et soulèvement esclave. Vraiment non esclave qui ont fondé la Coussa, littéralement à Zopadi. Les gens lui ont raconté qu'empereur Jean Jacques Dessalines a fréquenté la Coussa dans l'époque là. La lité qu'on a le prend en pile degré. Sixième côté qui vraiment mystique en Haïti, c'est grotte Counoubois. Grotte Counoubois qui c'est une grotte ou bien un trou roche qui se situe dans la commune Camperin, département sud pays d'Haïti. Lycée on lié pèlerinage en pile monde visiter pour faire demande, pour faire offrande, mais ça pas empêcher que les gens yo mettent comme un lieu qui vraiment mystique, profondeur lycée 40 mètres. Septième côté qui vraiment mystique en Haïti, c'est Sainte-Anne, commune Ansafollet, département nord-ouest. Dans commune Ansafollet, Sainte-Anne c'est une côté qui vraiment mystique en Haïti. C'est un côté qui attire un pile monde chaque année. Yo fait un pile pèlerin là, un pile monde aller là à chercher délivrance avec miracle. Nous connaissons haïtiens toujours à chercher renfort avec soulagement. D'après les gens, yo raconté vierge dame ça toujours à veiller petite li. En tout cas, croyance si on peuple c'est un paquet à fait. C'est pas seul Haïti qui fait pèlerinage, yo fait à Lourdes en France, à Fatima au Portugal, à Saint-Jacques en Espagne pour ne citer ça yo seulement. Huitième côté qui vraiment mystique en Haïti, c'est habitation Lénormand de Mézi dans zone Mont Rouge dans commune Plaine du Nord. Habitation Lénormand c'est côté cérémonie Bois Caïman te fête là. Cérémonie ça qui était faite dans date 14 août 1791 qui était gagné là dans 201 leaders noirs qui était sorti dans tout coin dans colonie pour te planifier un compte ça pour te connaître comment yo t'a pral délivrer colonie Saint-Domingue en bas côte la France. Bon, zone ça, c'est une zone que les gens historiques ont considéré qui vraiment mystique en Haïti. Neuvième côté qui vraiment mystique en Haïti, c'est Gwatmenge dans ville Dondon. Gwatmenge a messieurs mystique yo fait connaître, c'est une grotte qui vraiment fragile et li c'est une clé porte d'entrée toute zone mystique dans monde là. Yo même comparé avec particularité pyramide Égypte là. Dans grotte ça, dans l'époque Taïno yo te kon utiliser pour faire cérémonie pour Dieu soleil. Yo relé grotte ça tout Porte du soleil. Yotere li Gwatmenge, c'est dans mémoire yon flibissier chirurgien français qui te rele André Menge qui te premier prend possession zone ça dans année 1698 yo dans époque coloniale. Dixième côté qui vraiment mystique en Haïti, li rele trou zombie. Trou zombie c'est une grotte en forme verticale qui se situe dans la commune Chantal, dans le département sud pays d'Haïti. Profondeur lycée 90 mètres, depuis sous nom nous avons ça li représenté. En 2013, il y a une équipe spéléologue qui a l'entrée là-dedans pour faire recherche, ils arrivé à 90 mètres de profondeur. Ils ont joint un pile squelette bête là-dedans et un pile squelette moun là-dedans tout. Ils ont estimé trou zombie arrivé jusqu'à 110 mètres parce que il y a une profondeur qui n'a pas arrivé à cause de façon en bas de fait là. En bas, t'es vraiment coincé à croche et ça fait yo pas capable de finir dans dernier limite li. Et jusqu'où n'y a personne pour qu'on arrive dans vraie profondeur. Nous te dit nous avons 10 zones qui sont plus mystiques en Haïti, mais nous avons l'autre zone nous pas capacité. C'est habitation la douceur dans le nord-ouest. Elle est située sur route entre Port-au-Prince et Saint-Louis-du-Nord. La douceur, c'est une habitation qui servit carrefour entre terre d'Haïti et terre d'Afrique. Selon les jandio, la zone c'est lui-même qui représentait la Mecque d'Haïti. C'est un passage tout entre monde visible avec monde invisible. Habitation la douceur gagne l'autre nom qui relève dans Grand Caille. D'après les gens du chef zone ça qui c'est un esprit qui relève Deka, li habité dans un petit caille bien simple. Petit caille ça couvri en tôle, c'est une zone impénétrable pour monde qui pas initié. Zone ça fait partie d'un plus gros lieu mystique qui gagne dans monde là. Li gen yon lot non ki rele la ville au camp. C'est une nan liye mystique qui pi ancien dans pays ya. Zone nan Grand Kaïsa situé sur une superficie qui c'est 100 mètres carrés. En dan ti Kaïsa divisé en deux parties. Une rele liye saint, l'autre la rele liye 3 fois saint. Nan liye saint an gen an pile objet ancien qui la dan, gen yon sanctuaire qui pas accessible à l'homme qui séparé avec 3 rideaux mystiques. D'accord, n'a dit merci avec ou même qui était assisté vidéo ça jusqu'à la fin. C'était Zami ou Andy Dovilis qui te pote vidéo ça pour concernant lié qui plus mystique en Haïti. Nous espérons ou aimer vidéo et pas négliger quitter un like pour nous, abonner pour nous activer petite cloche notification pour capable recevoir l'autre vidéo qui va venir. Et comme ça, nous connaissons Haïti, c'est un pays qui est vraiment mystique. Dans une autre vidéo, nous capable porter jusqu'à 50 liens qui sont vraiment mystiques pour vous en Haïti. Bye bye tout le monde, rendez-vous à la prochaine pour un nouveau numéro.